Bienvenue sur ma chaîne, je suis Fabiola. Je vous accueille dans un grand mouvement de pur amour, de lumière authentique et de liberté. On va voir comment épurer les mémoires akashiques en 3 étapes. Pensez bien à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Le nettoyage des annales akashiques est une technique simple qui consiste à purifier et renforcer les mémoires de l'akasha. Cela revient également à se débarrasser des énergies polluées de ses vies passées. Il permet de repartir sur de bonnes bases karmiques, afin de vivre une vie bien plus épanouie. L'ouverture et la lecture des annales akashiques vous permet d'appréhender des informations clés sur vos vies antérieures. Cette lecture peut vous aider à faire de meilleurs choix et à donner un sens meilleur à votre existence. Votre situation actuelle est très souvent le résultat des erreurs de vos vies passées. La plupart du temps, elles peuvent vous aider à devenir meilleures. Sachez qu'il est parfois difficile de faire évoluer, de modifier, de changer son karma. Ainsi, c'est quand même mieux de repartir sur une bonne base karmique. C'est pourquoi le nettoyage des annales akashiques est plutôt avantageux. Il libère aussi votre âme d'une souffrance liée à vos vies antérieures. L'ouverture et le nettoyage des mémoires akashiques guérit nos vies antérieures et nettoie notre karma. Il nous protège des influences de notre passé. Donc notre taux vibratoire augmente. Ça nous permet de bien mieux profiter de cette vie, de renforcer notre lumière intérieure, de nous libérer des pensées parasites. Cela permet de rapatrier des fragments d'âme, de la reconstituer en entier. Ça rend notre vie plus harmonieuse. Et cela améliore nos relations avec nos proches et notre entourage. Le nettoyage des mémoires akashiques libère de notre mauvais karma injustifié, et c'est peut-être le plus important. Il vous permettra ainsi de vous épanouir plus sereinement dans tous les aspects de votre existence. La première étape. Je vais vous donner ma prière préférée pour ouvrir les annales akashiques. Et cette prière vous permet d'accéder à vos enregistrements akashiques. Les annales akashiques ou mémoires sont une sorte de bibliothèque dans laquelle est enregistré tout ce qui a déjà existé. Tout ce qui existe et tout ce qui existera à jamais dans l'univers. Pour naviguer dans l'espace akashique et accéder aux informations qui sont dedans, vous allez utiliser cette prière spéciale, sacrée, pour ouvrir les mémoires qui contient la sagesse du monde. Quand vous y accédez, ça permet de se transformer en profondeur, de partir à la découverte de vous-même. Cette prière sacrée vous aidera à accéder à vos mémoires éternelles. Il est très important de comprendre que la prière d'accès akashique est un moyen unique de se connecter aux archives akashiques. Certaines personnes se connectent rapidement, spontanément, et après avoir utilisé cette prière, elles réalisent qu'elles ont peut-être déjà eu une expérience de connexion avec le royaume akashique. L'avantage d'utiliser une prière sacrée comme véhicule est que vous pouvez vous connecter avec intention et conscience, en étant bien présent au moment où vous ouvrez et fermez les registres. Vous construisez une relation avec la conscience et l'énergie de ces archives. Pour pouvoir accéder au mieux aux annales, voici quelques règles à observer. Créez une atmosphère intérieure propice au recueillement. La première étape pour prier est de créer une atmosphère intérieure favorable. Et avant d'ouvrir les archives, veillez à vous abstenir de consommer de l'alcool ou des substances illicites non prescrites pendant les 24 heures précédant l'ouverture des archives. Créez un environnement propice au recueillement.
favorable. Le silence, la propreté, la pureté, la concentration. Dans un lieu calme, sans être dérangé, avec une merveilleuse intention de purification. Je vous propose d'allumer une bougie blanche ou même de faire brûler de l'encens. Prière sacrée pour ouvrir les annales akashiques. Vous la lisez une fois, à haute voix, et ensuite, vous la répétez en silence deux fois de plus. Prière pour ouvrir les annales akashiques. Je demande au divin de toujours m'envelopper d'amour, de clarté et de vérité universelle. Je demande aux maîtres, aux enseignants et aux amis de lumière d'apporter à travers moi toutes les informations qui sont pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous. Puissent les détenteurs des dossiers et enregistrements me donner accès à tout ce qui est utile et probant pour que je sache. Ceci est la prière d'ouverture qui est la première étape. La seconde étape pour aller modifier et réencoder, épurer ce qu'il y a d'inscrit dans vos enregistrements et annales et le soin quantique d'assimilation des nouveaux codes divins. Et vous avez le lien sous la vidéo pour aller le télécharger. Le troisième point, la troisième étape, une fois que vous avez écouté avec musique archangélique le soin d'assimilation des nouveaux codes divins, vous allez refermer les archives. Voici la prière. Car c'est très important, une fois que vous avez réalisé vos travaux d'épuration et de transmutation, et interroger vos enregistrements, il faut clôturer les annales. Pour fermer les archives, il suffit de remercier les guides, les maîtres, les enseignants, les chirurgiens éthériques, et puis vous déclarer que les dossiers sont maintenant clos. Je remercie les guides, je remercie les maîtres de l'Akasha, je remercie les enseignants de lumière, je remercie mes anges, mes archanges, et je déclare que ces dossiers sont maintenant clos. Merci, merci, merci. Je vous propose de faire ces trois étapes. Prière d'ouverture des annales, écoute attentive du procédé quantique d'assimilation des nouveaux codes divins. Troisième étape, fermeture de vos archives. Et de le faire au minimum 7 jours consécutifs. Je vous embrasse. Je vous souhaite le meilleur pour vous, pour votre famille, que votre divine lumière soit. Allez rayonner sur le monde. Je vous aime.